Lundi 3 juin, Elisabeth II a organisé à Buckingham Palace un banquet en l'honneur de Donald Trump et de son épouse Melania. L'occasion pour Kate Middleton de porter son insigne de dame Grand Croix de l'Ordre Royal de Victoria. Il n'y a pas que les hommes de la famille royale qui ont l'honneur de porter des médailles lors des banquets officiels. Lundi 3 juin, la reine Elisabeth II avait organisé à Buckingham Palace un banquet en l'honneur de Donald Trump et de son épouse Melania, arrivée en Grande-Bretagne quelques heures plus tôt. Accompagnés de leurs épouses, les princes Charles et William ont fait honneur au président des États-Unis en assistant aux festivités. L'occasion également pour Camilla Parker Bowles et Kate Middleton de porter leur insigne de dame Grand Croix de l'Ordre Royal de Victoria, le plus haut titre royal honorifique. Vêtue d'une robe blanche Alexander McQueen, la duchesse de Cambridge a brillé par son allure folle, tandis qu'elle avait une nouvelle fois décidé de rendre hommage à Lady Diana en portant ses boucles d'oreilles ainsi que son diadème favori. Et elle n'a pas manqué d'arborer fièrement sa médaille en forme d'étoile, placée à sa taille, comme la portait également Camilla Parker Bowles. Une distinction que Lady Diana n'a cependant jamais reçue. Seules 4 personnes ont reçu cette distinction instaurée par la reine Victoria en 1896, cette distinction est utilisée pour récompenser les services rendus par les plus grands noms de la famille royale. Avant Kate Middleton, qui a reçu la sienne en avril dernier, seules 3 autres personnes ont été honorées par Elisabeth II. Dans le passé, la reine d'Angleterre a aussi honoré sa fille Anne, et ses 2 brus Camilla Parker Bowles et Sophie Rhys-Jones. C'est donc la première fois que la reine honore une personne issue de la nouvelle génération de la famille royale britannique.